Chers amis, bonjour. Vous promettez-moi un dimanche de repos, mais malheureusement, c'est un événement inarrivé qui n'est pas fini capable de moi s'appuyer déjà. C'est un ami de temps marin, il téléphone moi pour dire moi qu'il se trouve un gros bateau, une vingtaine de langues, dans la baie de temps marin. Les temps, on fait une petite enquête, on a trouvé que c'était le Hongbang numéro 6. Qui viennent au site du Wakasho pour demander le Wakasho avec deux remorqueurs qui accompagnent lui. Ce qui fait une plus surprendre moi, c'est que des temps, on a fait une bonne recherche, on a trouvé qu'il y a un bateau Hongmengla, qui est un bateau de 100 mètres de long, 33 mètres de large, et qui est un bateau quand même assez volumineux, in jet lang à 1000 nautiques des côtes de la baie de Tamarin. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un bateau s'agrossait là, vienne cette langue aussi proche des côtes. Sauf fondé, d'après mon checker, à peu près 47 mètres. Bon, vous supposez un récif là, qui ça aussi, tu vous interpelle un peu ma écologie. Moi, je prends le moment, je envoie un mail au portmaster de la Mauritius Port Authority, au directeur général de la Mauritius Port Authority, l'officier in charge of National Coast Guard pour demander qui c'est là qui finit donne l'autorisation à ce bateau-là pour venir cette langue aussi près de nos côtes. Pour finir un retour immédiat du capitaine Dowlot Mouremessiedi, qui est le acting portmaster à la Mauritius Port Authority, qui dit moi qu'il ne s'est pas tombé sous sa juridiction. De toute façon, il n'est pas pour donner l'instruction qu'un bateau, cette langue ou pas cette langue, qu'un bateau-là en dehors de la limite portuaire. Très bien. Finalement, on retourne vers la côte de Rivière-Noire, qui dit à moi que oui, je suis au courant, bateau là, une jette l'ancre là, je peux monitorer le bateau là. Nous connaissons qu'appeler monitor quand Coast Guard dit oui, je peux monitorer un bateau. Non content de la réponse de la côte de Rivière-Noire, on finit remonte vers l'Operations Room de la côte à Paul-Bi. Et là, on finit avec un interlocuteur qui est le Chief Inspector de Service. Qui dit moi, lui aussi, c'est pas God Code qui nous donne l'autorisation ce bateau-là, Vincent Lank. Chers amis, ils me posent la question. Qui manière nous, dans un pays, dans une île, nous gagnons un bateau, sa grossière là, Vincent Solank, à 1000 nautiques de nos côtes, qui manne l'autorité, pas dire rien. Tout ça, tout correct. Personne n'a pas donné l'autorisation, mais il ne vient pas lui-même. Vincent Solank, là, à 1000 de nos côtes, il reste là et qu'il s'oppose. Comme si tout à fait normal, tout est bon dans le meilleur des mondes. Ce qui nous a retenu de cette histoire-là, c'est qu'une fois de plus, les autorités mauriciennes, la National Coast Guard et la Mauritius Port Authority, ils viennent démontrer nous, ils viennent prouver nous une faille qui existait dans le système de surveillance de nos côtes. Qui passait à soir le sabbat là? Qui c'est là qui fait monitor ça? Coast Guard pour faire m'en croire que je prends ce bâtiment d'Ingui à soi, pour faire des tours à guetter qui peut arriver. Qui dit à nous qui peut l'anan, qui peut débarquer de ce bateau-là? Whisky, cigarette. Qui dit à nous? Personne n'a pas qu'à dire non. Là, je fais causer Coast Guard encore, là, avec le CI de l'Operation Room. Ils disent, justement, nous peut appeler le bateau-là pour dire, lève ce long calé, mais capitaine n'a pas pu répondre. Attends un petit moment. Moi, je l'attends, il y a une histoire comme ça. Donc, on va cacher au bâtiment des mêmes affaires. Hein? Tu appelles Wakasho, Wakasho pas t'y répondre. Sakula appelle Hong Bang pas répondre. Tension Coast Guard, notre radio qui pas bon. Tension Coast Guard, notre radio qui volume baissé. Ou tension Coast Guard qui pas qu'on cause le radio. Voilà mes chers amis. Les amis de Tamarin, de Rivière Noire, merci beaucoup qui se finissent alerte moi de ce problème là. Dès qu'ils se trouvent bateau là, les blancs calés. Prévenez-moi d'un petit message, fais-moi connaître. Et si jamais je trouvais qu'il n'est pas payé à aller aussi, fais-moi connaître. Quand nous besoin monte plus haut, nous besoin augmente ta base là, nous va augmenter. Mais moi, ma conclusion là-dedans, qui, pourquoi il l'air pour nous les peuples, nous prend la loi dans nous la main, nous faire respecter la loi dans le pays. Parce que nous besoin reconnaître qu'il nous en face une autorité incompétente, négligente, qui n'est pas payé faire travail, qui nous les peuples, payé pour faire. Merci beaucoup à tous les amis de Tamarin de Rivière-Noire. Donne-moi une nouvelle aussitôt que possible. Merci beaucoup.